Et c'est le même set de son est parti pour une nouvelle découverte de personnages. Alors, si vous connaissez ce perso ou vous, dites-moi dans quel tome on le trouve. Parce que clairement, je me rappelle pas du tout de ce perso. Les autres encore, en relisant les 10-11-12, j'ai réussi à aller voir Alicia, Emma Laurent, etc. Mais elle, je ne la connais absolument pas. Maylene Fisher. Donc, contre toute attente, donc c'est un petit bâton avec un petit poisson qui va en gros faire apparaître, voilà. Vous allez voir ça un petit peu, hein. Dans le petit chien un peu à gauche droite des patounes. Et par contre, c'est encore un passage haut. Parce que là, je crois que l'eau commence à avoir beaucoup de trucs. Là, on a eu la lumière, de l'eau. Ténèbres, feu. Ouais, je crois que c'est feu qu'il n'y en a pas tant que ça comme perso. On va découvrir ça tout de suite, bien sûr. Maylene. Allez, découverte du personnage. Est-ce qu'un point pareil, je ne connais pas du tout. Clairement, je ne sais pas d'où elle sort. Ni dans quoi. C'est une guérisseuse. D'accord, je viens de découvrir le truc. Ça fait un peu canapé façon gun de Hunter Hunter, toi. Ok, je soigne avec sa compétence de base. C'est vrai que c'est perturbant parce que j'arrive pas à deviner en fait si le perso peut être vraiment cool ou pas quoi. Actuellement moi je tourne avec Yun Beiyu. Gros miaou, c'est le petit. Quelques persos qui sont en sonnerre assez sympatoche. En fait, je sais pas si ça vaut le coup vraiment d'aller investir dans ce perso là. Donc ceux qui ont vraiment de bonnes connaissances, un peu plus développés que moi sur le Bling, qui reste un animé et un webtoon que je découvre encore, hein, évidemment. J'ai pas encore fini la série. N'hésitez hein. Pas à me dire. C'est vrai que là j'en suis au 13. Le 13ème qui vient de sortir là que je viens de finir de lire. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, comme d'habitude, moi je vous dis évidemment à la prochaine, c'était Fenrir, ciao le camp. Surtout partagez, likez et oubliez.